Écoutez cette info qui est encore une fois passée inaperçue et qui est pour le moins très importante quand même. On apprend dans le journal Le Monde, un article qui est daté du 9 octobre 2024, là, que le gouvernement français a pris la décision déjà en 2023 de, je cite, préparer la France à un débarquement de troupes alliées, en particulier américaines. Et c'est une exigence de l'OTAN. On peut lire dans l'article, je cite, en 2023, un nouvel état-major interarmé chargé du territoire national dit EMIA, TN, a également été créé afin de répondre aux exigences de l'Alliance en termes d'adaptation des infrastructures portuaires et terrestres, comme les autoroutes par exemple, en cas de débarquement de troupes alliées, en particulier américaines. Il faut réfléchir à des lieux d'hébergement, des regroupements ou encore à la gestion de l'approvisionnement en carburant détaille une source militaire. Voilà. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils préparent Qu'est-ce qu'ils préparent Étant donné qu'on a beaucoup de retard par rapport à ce grand pays de l'Est, on a l'impression qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Quoi, à votre avis